Eh ben, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit, comment dire, déballage action. Voilà, je suis allée à Action, aller chercher des produits de jardinage. Donc, je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté en jardinage parce que une fourche, une pelle, de la paillasse, franchement, c'est pas très intéressant. Mais après, j'ai pris d'autres petites choses qui peuvent peut-être vous plaire. Alors, déjà, j'ai recraqué. Ils ont sorti le sac printemps. Voilà. Donc, je le trouve trop mignon. Là, il y a une petite serre avec des plantes, des petits cochons, des petits cerisiers, parce que c'est des fleurs de cerisier. Je le trouve trop choupinou, des lapins, des petits nains. Enfin, voilà. J'adore leur sac saison. Donc j'ai l'automne, j'ai Noël, enfin décembre, l'hiver, et puis là le printemps. Je ne sais pas, à chaque fois je rate fil d'été, donc j'espère que je ne vais pas le rater cette année. Et je change, voilà, quand je fais mes courses, eh ben, je prends en fonction des saisons. Je suis vraiment cinglée, hein, mais bon. Voilà, alors je vais vous montrer, je crois qu'il a 90 centimes. Je vais vous montrer mes petits craquages chez Action. Voilà, j'ai pris plein de trucs. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors attendez, hop, je retire le sac et je vous montre tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, il y a des gourmandises. Hein. Ouais. Pendant que je diamante, je mange. Alors, déjà, la partie non mangée. Hein, on va être plus sérieux déjà. Alors, j'ai pris ce petit faux gazon. Parce que comme vous savez, j'aime bien décorer ma maison en fonction des saisons. Et ben là, on va décorer sur le thème de Pâques. Donc du coup, j'ai pris ce petit faux gazon. Voilà. Et je vais y mettre et ces petits lapinous. La maman lapinou avec son bébé lapin. Voilà. Donc je pense que je vais le poser comme ça. Je vais réfléchir comment je vais le mettre. Ensuite, hop, vous voyez, il tient pas. Donc déjà, je pense que je vais faire autrement. Je réfléchis. Ensuite, j'ai pris des petits faux œufs, des petites plumes, de la paillasse. Donc, je pense que je vais faire une petite décoration. Alors, soit avec la pelouse ou soit avec un. J'ai une jolie coupelle en bois. Donc, je ne sais pas trop. Voilà, donc j'ai trouvé ça trop mimi. Franchement, j'ai trop craqué. Ils sont vachement bien faits en plus. Hein, il y a un arrosoir. Il y a un petit mouton aussi. Mais moi, je suis très lapin. Donc, voilà, j'ai pris des petits lapins. Hein. Voilà, ensuite j'ai pris dans le loisir créatif, j'ai vu ça, on va regarder, c'est pour faire une guirlande de Pâques. Donc ils disent qu'il y a 4 dessins, 2,50 m. Alors on va regarder tout de suite, on va regarder ensemble. J'ai pas du tout, alors j'ai pris un bien fermé, hein, parce que des fois chez Action, vous avez les gens qui se servent, n'est-ce pas? Là je me suis dit, il est fermé, normalement il est complet. Donc voilà, donc ils ont fait tout un rayon où il y a plein de choses de Pâques. Il y avait des petites cartes à diamanter, tout ça. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est, ce que c'est, ce que c'est. Alors, on a donc quatre designs. Donc c'est ça. Voilà. Un petit lapin, un petit œuf, un autre petit œuf avec des fleurs et des tulipes. Un petit lapin avec des grandes oreilles. Et un petit poussin. Moi, je dirais un petit poussin. Moi, c'est un petit poussin. On a du fil. On a une aiguille en plastique. Bon, désolée, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il fait un temps magnifique. Et du coup, ben, on entend les bruits extérieurs. Hein. On n'a pas beaucoup de passages, mais alors quand on en a, c'est la campagne, on a du bruit. Donc, vous risquez d'entendre peut-être un tracteur. Alors, on a des petites boules en bois là qui sont percées, des petites perles. Et on a des perles, des diamants, on va dire plus des diamants ronds avec les couleurs pour diamanter sur les pièces. Et alors, ça m'a pas l'air très compliqué. Hein. Donc il faut déjà diamanter, ok. Ensuite, donc là la partie diamantage, on la passe. Et ensuite, ouais, tu glisses dans les fils. Des petites perles, ok, et tu alternes perles et petits objets pour te faire une petite guirlande. C'est mimi ça. Bon, ben, on fera ça ensemble. Hein. Donc voilà, donc je sais plus combien j'ai payé ça, mais franchement, c'est dérisoire. Il n'y avait qu'un modèle dans celui-là. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sortiront. Et voilà, j'ai fait tomber un truc. Je suis en live, hein. Toujours hein, comme d'hab. Je triche pas.
Miss Cata, c'est moi. Ensuite, je suis allée donc au rayon jardin. Je suis allée acheter, comme je vous ai dit, des trucs pour mon jardin. Et là, j'ai vu ça. Et alors ça, ça s'appelle je sais pas comment ils appellent ça. Un storage bin. Ouais. Alors normalement, c'est pour ton jardin. Tu es censé mettre tes ciseaux, ta pelle, ta machin et tout quand tu jardines. Et ben moi, j'ai dit non, je vais mettre ça sur mon bureau. Parce que j'ai vous savez, sur les boîtes Ardotes, là, vous avez un truc, un rangement, où vous avez des petits espaces et tout pour mettre vos stylets et tout. Je le trouve pas grand et pas haut et pas profond. Donc, je me suis dit que ça, ça va être beaucoup mieux sur mon bureau. Donc voilà, donc par exemple, vous voyez, je vais mettre... J'avais ça aussi pour mettre mes stylets, tout ça, et ça me plaît pas, il se casse la figure. Donc ça, je m'en servirai, je sais pas pourquoi. Mais donc du coup, voilà, je pense que je vais mettre mes objets en cours, comme là par exemple, le petit cutter, voilà. Et puis ici, je vais mettre mes washi que j'ai en cours. Là, je vais mettre aussi, je pense, ma bougie que j'allume, que je sortirai. Voilà, j'ai envie de changer. Donc, ouais, c'est peut-être parce que ça, on arrive au printemps. Et donc voilà. Et pour essayer de ranger un peu mieux ce bureau, parce que je vous cache pas. Alors, j'ai cette belle boîte que j'ai eue en partenariat. Mais elle me prend énormément de place. Donc, je me dis que celle-là, elle est bien quand tu voyages, mais pas pour mettre sur le bureau. Donc, du coup, je vais tout réorganiser puis tout ranger pour mettre correctement. Alors, ça, c'est pareil. C'est pas, j'ai pas les tables. J'ai le ticket de caisse. Il est dans mon sac à main. Donc, voilà. Donc, mais bon, il y avait trois couleurs. Il y avait un rose, un vert et un gris, je crois, de mémoire. Bon, moi, j'ai pris vert. Hein, voilà. Vous me connaissez. Donc, je le trouve trop bien. Ah là, ouais, pareil. Là, je vais mettre mes plateaux ici, je pense. Voilà. Je vous montre en direct, mais... je vais ranger, voilà, là, je vais mettre mes petits washi, mes pinces en cours. Enfin, voilà, je trouve ça trop bien. Et comme quand on a, par exemple, là, je suis en train de faire la toile d'Oraloa, on a des petits sachets, là, qui ne rentrent pas dans les boîtes. Ben, vous les avez à côté de main, portée de main. Ce qui fait que quand vous avez fini de remplir votre boîte, ça vous évite de les perdre partout. Oh, je suis trop contente de moi. Voilà. Donc, je vais continuer à ranger. Voilà, allez, je vous montre en même temps. Je vais mettre ici mon céramique. Voilà, je vais mettre là. Alors, ça, c'est ma pince à miniature, mais je pense qu'elle va aller avec les affaires de miniature. Ma petite boîte d'allumettes quand j'allume la bougie, on va la mettre là. On va mettre ici quand mon séparateur, toujours un autre petit cutter. Oh là là, j'ai une reine de la bricolage maintenant. Hop, alors là, il y a un washi. Je pense que je vais mettre des cover minder, je sais pas, peut-être par là. Ouais, peut-être ici ou dans une boîte. Je sais pas, je vais réfléchir. Voilà, mais en tout cas, je suis trop contente. Voilà, ça fait un peu moins bordélique que ce que j'avais. Et je vais pouvoir retirer ce truc blanc là qui me plaît pas. Et j'entasse. Et c'est le bazar. Voilà, donc vous voyez, là, c'est un petit peu mieux. Et je vais mettre ça sur mon bureau, là, dans le coin, et ça va être sympathique. Voilà, donc je voulais vous montrer ma trouvaille, et je trouve ça très bien. Je suis contente de moi. Voilà, il faut bien se faire plaisir, hein, et être heureuse. Donc ça, voilà. Ensuite, ah oui, j'avais oublié de vous montrer, toujours avec ma petite décoration de Pâques, ils ont fait des petites guirlandes LED. Ils en font toujours à chacun des saisons. J'avais pris des citrouilles pour Halloween, pour l'automne. J'avais décoré. Vas-y, mon loulou. Hop, voilà. À Noël, ils avaient mis des petites guirlandes LED en forme de sapin. Et puis voilà, ils ont mis avec des petits œufs. Voilà. Donc le soir, bah, parce qu'il fait quand même nuit. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire, comment je vais m'organiser. Je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Je vous ferai un petit pause vite fait. Voilà, mais je pense que je vais. Ou alors je vais faire un trou au milieu pour poser. Ouais, peut-être comme ça. Mettre des petits œufs. Je sais pas, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Et donc voilà, cette petite guirlande où vous mettez deux piles qui s'éclairent avec des petits œufs de toutes les couleurs.
Voilà, c'est très printemps et tout ce que j'aime. Voilà, alors ça c'est pareil, ça coûte même pas 1 euro, je crois. Oh, franchement, ça vaut pas le coup. Allez voir hein, chez Action si vous avez la possibilité. Moi j'en avais pas avant, maintenant j'en ai 2 ici là où j'habite. Oh, c'est trop bon. Et alors après, alors ça c'est mon côté gourmandise. J'ai saisi une gourmande. Et oui, j'ai saisi une gourmande et j'assume. Et donc, j'aime bien diamanter en mangeant des cochonneries. Et ouais, ouais. Bon, alors après, j'ai perdu 25 kilos cette année. Donc, j'ai un peu de marge. Hein, donc, je peux me permettre. Alors, je ne mange pas tout le temps du chocolat, des nougats. Vous inquiétez pas. Je ne suis pas une boulimique non plus. Mais j'aime bien de temps en temps. Et alors, ça, ces petits nougats, là, chez Action, je les aime trop. Alors, j'adore le nougat, déjà. Et alors, ils ont fait celui-là, qui est à la cacahuète hein, et aux fruits. Il est trop bon. Alors des fois t'en as pas tout le temps. Alors là j'en ai pris un paquet, j'aurais peut-être dû en prendre 2, mais bon j'y retournerai la semaine prochaine. Donc voilà. Et il y a celui-là aussi au chocolat. Alors je suis pas chocolat au lait, je suis chocolat noir, mais rien que pour le nougat c'est trop bon. Voilà. Ensuite j'adore ça. Ça, ça fait vraiment pack. C'est des petits, comment dire, des petits œufs au chocolat avec des amandes dedans. Il y en a avec des cacahuètes, je crois, mais moi je préfère avec les amandes. Voilà, on dit que l'amande c'est bon pour la santé. Voilà, et le chocolat c'est bon pour la santé. Donc, Et alors ça, j'ai trouvé ça trop mignon, Kit Kat. Moi, ça me rappelle quand j'étais jeune, je mangeais plein de Kit Kat à l'école. J'en avais dans mon cartable. Et là, ils ont fait des Kit Kat avec des petits lapins. Voilà, donc spécial pour Pâques. Alors, j'ai été sérieuse, hein, j'ai pris un paquet de chaque. Bon, après, si j'y vais toutes les semaines, je vais en ramener. Hein. Bon, ben voilà. Donc, ça, c'était mon petit craquage de jour chez Action. J'ai pas trouvé autre chose en diamond painting. S'il y avait des petites cartes. Il y a beaucoup de coloriage pour les enfants. Il y a beaucoup de choses pour les enfants sur le thème de Pâques. J'ai pas trouvé autre chose pour l'instant en diamond painting, à part cette petite guirlande. Mais comme ils sortent des choses toutes les semaines, peut-être qu'ils vont bien nous faire quelque chose. Voilà, et bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de mon petit craquage Action. Et puis si vous avez vu d'autres choses, ben, n'hésitez pas à me dire. Et puis si mon idée vous plaît d'arrangement. Bon, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Aloha. Et voilà, alors je vous montre comment ça fait. Ça fait trop bien. Et en plus, j'ai même pas fait gaffe, c'est aimanté, c'est du métal. Du coup, j'ai pu poser mes petits cover minder que j'utilise en ce moment. Donc là, c'est le thème du printemps et Valentin. Donc voilà, j'ai sorti. D'ailleurs, je pense, j'ai vu chez Action qu'il y avait un tableau magnétique. Et je pense que je vais me le prendre pour ranger tous mes cover minder. Parce que mes cover minder, ils sont dans une boîte et je les vois jamais. Ils sont, voilà, je pense jamais à le sortir. On reste toujours avec les mêmes. Voilà. Donc vous avez vu, ça fait trop bien. Hein. Bon, allez, je vous montre. Vous voulez voir mon bureau ? Regardez-moi comment c'est trop beau et toute la place que j'ai du coup. Donc là-bas, il y a le pot à stylo, le gros pot, j'y range tous mes embouts métalliques. Ensuite, le petit pot gorgeous, c'est ma poubelle. Là, bah, c'est ma boîte avec les diamants en cours. Voilà. Attendez, j'avais un truc aussi à vous montrer que j'ai oublié de vous montrer que j'ai pris chez Action. Bougez pas. Ah, j'ai pris ça, j'avais oublié, il est au fond de mon sac. Vous savez, j'ai fait un petit plateau, là, Pâques, que je vais offrir à ma maman. Et je me disais, je vous en avais parlé dans la vidéo, que je cherchais à mettre des choses autour parce que c'est du bois brut, que je l'avais pas peint. Alors, il y a Tania qui m'a dit, ouais, t'aurais pu y mettre des diamants, mais je vais passer un temps fou à coller des diamants. Et en fin de compte, j'ai trouvé ça. Et il y en a plein, il y a 4 ou 5 planches sur le thème de Pâques. C'est des petits stickers qu'on colle. Donc du coup, ben, je vais regarder comment je vais les coller. Bon, celle-là, tu as les grandes. Hein. Ça, on peut la mettre sur une carte à offrir. Et là, je suis trop contente. Je vais pouvoir décorer mon petit plateau. Je vous montrerai tout ça sur un prochain blabla. Voilà. Bon, ben, ça y est. Cette fois, c'est terminé. Je vous embrasse. Aloha.